Ok, heureusement, mais heureusement que j'ai vérifié avant d'aller me coucher s'il n'y avait pas la vidéo de Natlan qui était sortie. Et oui, les amis, il est actuellement 6h30 du matin. Je suis un gros puant, c'est bon? Bref, il y avait des rumeurs comme quoi un trailer de Natlan allait sortir aujourd'hui. Et ben finalement, ça s'est avéré vrai. Et voilà, on a 3 minutes 45 à découvrir. Et voilà, donc vidéo réaction, hein. Et puis voilà, on va découvrir ça tous ensemble. Je suis grave hype, voilà. 3 minutes 45 de bonheur, peut-être. Je sais pas, on verra bien, mais là, déjà, à la miniature, il y a des choses, il y a des choses. Allez, let's go. Putain, heureusement que j'ai regardé avant me coucher quoi. Heureusement. Ok. Ok. Ah, ça c'est ma beauté ça. Kachina. Ok, c'est Kachina. Ah non, c'est la Kachina. C'est la Kachina, c'est la Kachina. Pousse-toi la Loli là, pousse-toi. Voilà, on veut voir la vraie beauté. Ok, let's go. Ok. Oh, lui c'est le beau gosse qu'on a vu là, comment il me régale. Qu'est-ce que c'est que ces trucs pixels par contre, tu vas... Oh, oh, tu es qui? Tu es qui? Tu vas finir dans ma box toi. Trop stylé. Incroyable. Mais non, jamais, je vais te laisser tranquille moi, je vais te foutre tous les jours. Ok, ok, ok. Deya V2 mais version blond. Version kit qui marche. C'est une Géo, c'est une Géo. Géo, Géo, Géo. Ok. Ah, on te connaît aussi. Tu es qui toi aussi? Chlorines. C'est le mec, il sait que dire des blases de perso qui existe déjà. Je suis mort, j'arrive même pas à parler tellement que je suis excité là. Ok, ça c'est la ville qu'on a déjà vu dans le trailer. Ok, les flammes, le sang, le combat, tout. La bagarre. Ouh, what the fuck. C'est une roqueuse, ça je reconnais. What the fuck, bah ça se croit l'arcon. L'arcon. Elle a la classe hein. Mais j'imaginais pas du tout dans une tenue comme ça genre. Un tournoi de quoi? Un tournoi de bagarre? Oh le flow qu'elle a. Oh les cheveux de zinzin qu'elle a. Oh c'est trop stylé. Oh des... Ok ok ok. C'est trop stylé. Oh c'est trop stylé. En fait dans la ville principale il y a une espèce d'arène. Et visiblement avec des tournois et tout. Ok. On a plein de nouveaux persos là, ça fait 4 nouveaux personnages. Au total. Ok, ok. On t'attendait frérot, on t'attendait frérot. Fais pas l'ancien par contre. Fais attention à toi, fais attention à toi. Je suis choc barre de baiser, vraiment je... Ok. Mais je m'attendais pas du tout à ça pour l'arcon. Mais par contre, ses cheveux sont incroyables. Hein. On voit vraiment l'arcon pyro, quoi. Ses yeux sont incroyables, on dirait des soleils. Oh, la vache. Il me tarde de voir à quoi va ressembler une game. Hein. Ah, mais là, tu peux pas passer inaperçu, sûr. Vraiment. Je te le dis. Les yeux de zinzin qu'elle a. Ça se voit, elle est féroce. Par contre, me voit pas comme ça, tu mets un coup de pression de malade. Arrête, s'il te plaît. Ok. Oh, les trucs des montures. Les trucs des montures. Oh, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. OMG. Ah, mais je ferme les yeux. Fais-moi ce que tu veux, sœur. Désolé, désolé. Ouah non, c'est tout. Putain, ça passe trop vite, ça passe trop vite, ça passe trop vite, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Bon, je suis désolé, j'ai pas arrêté de parler, mais en même temps, on est là pour réagir aussi. C'est trop une dinguerie. Il y a eu beaucoup d'éléments là, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on a eu combien de nouveaux personnages? Genre, les trois premiers qu'on voit, on les connaît. Elle nous a donné le nom de la petite, la Kachina. Du coup, apparemment, elle s'appelle Kachina. Bon, pas besoin de mettre des gros plans comme ça. Bon, tu es terrifiant, ouais, ça. Bon, elle, on sait qu'elle est Géo, elle, on sait qu'elle est Hydro. Ok. Après on a eu lui, du coup lui on sait qu'il est Dendro, lui on l'a déjà vu aussi, ce Giga Chad. Après du coup voilà, elle est nouvelle, elle est trop stylée, elle a trop de flow aussi. Elle a trop de flow, cheveux roses comme ça et tout, on n'a pas trop des personnages qui ressemblent, qui ont ce style de caractère, je trouve, physiquement. Je trouve que ça change pour le coup, on retrouve bien les tenues traditionnelles en vrai. Elle, bah elle me fait penser à Deya, alors je sais pas si c'est le côté un peu chat, je sais pas, félin, un truc comme ça là, avec les oreilles. Mais c'est une Géo en tout cas, en espérant qu'il soit un bon Géo quoi.
C'est Murata, elle s'appelle comme ça, je crois. Ou je crois que je dois dire une énorme connerie, les gens vont m'insulter ma grand-mère, mais on la connaît du coup, elle. Et elle, du coup, elle me fait penser à Chlorine, par rapport à son chapeau, je pense, son accoutrement. Attendez, mais elle a le même truc qu'Arlecchino, quoi. Ah non, c'est un gant, j'ai cru. On voit pas son élément, par contre. Elle est sympa, physiquement, mais c'est pas non plus le personnage qui me choque le plus. Mais par contre, l'Archon, ça c'est l'Archon. L'Archon a vraiment trop de flow. Des images qu'on avait, ça ressemblait pas trop à ça. Alors peut-être que les modèles qu'on a vus, c'était peut-être à quoi va ressembler in-game. Là, on a peut-être ces images-là, mais ça veut peut-être pas dire que au final, dans le jeu, elle va avoir cette tenue-là. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à la voir avec cet accoutrement-là. Mais pour le coup, elle fait vraiment guerrière, genre vraiment archon de la guerre, quoi. Je trouve qu'elle a vraiment ce côté imposant et t'as pas envie de la faire chier, quoi. Par contre, me rappe pas comme ça, sert, ça me... Genre ses cheveux sont incroyables, vraiment. Genre ça se voit que... Et puis ça aussi ça me hype pas mal. En fait dans la ville, là si on a bien compris, il va y avoir un espèce de tournoi. Donc j'espère qu'ils vont ramener vraiment un concept avec ça. En mode on va pouvoir se battre contre d'autres trucs, je sais pas. Et je pense que dans l'aventure en vrai, vu que c'est un truc genre nation de la guerre, tout ça, peut-être que avec la quête principale, on va peut-être être amené à se battre contre d'autres tribus ou des trucs comme ça. Parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent en avant le fait qu'il y ait des tournois. Si nous, dans la quête Archon, on ne fasse pas de tournoi. C'est, je pense, c'est ma théorie. Appelez-moi Barry Théorie, je vais ouvrir une chaîne secondaire. Par contre, c'était qui ça? Tu es qui toi? C'est qui ça? On sait pas qui c'est ça. Sandroné, je sais pas, non? C'est qui? Mais qui est-ce? Ça c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi. Mais on n'en voit pas plus. Ça c'est Capitano, d'accord, il me semble. Hein. Je connais plus les Blaze Parker. Et en fait, je connais les Blaze, mais il est 6h40 du matin. C'est peut-être pour ça, ça aide pas non plus. Mais par contre, incroyable. Là, elle ouvre une porte. Oh, là, non, mais là. Oh là là, mais là, frérot, mais prends mes invocations, mange-les. Hein. Mange-les, je vais pas me répéter, mais le chara-design est incroyable. Hein. Il y en a qui avaient peur, mais franchement, peur de quoi hein. Non, ils ont vraiment respecté ça. Ça, par contre, du coup, c'est les différentes tribus, je pense. Et on peut voir qu'il y en a 6, c'est les montures en tout cas. Donc on aura 6 montures différentes. Mais sinon, pour en revenir du coup à ce trailer-là, on a un nouveau personnage, 2 nouveaux personnages avec la féline, 3 avec Chlorine. Je la respecte pas, la sœur, je l'appelle Chlorine. L'Archon, et la petite aussi qui naît. A été présenté au tout début de Genshin là. Murata je crois ça s'appelle, je suis pas sûr, ça se trouve c'est l'Archon qui s'appelle Murata, je suis vraiment la pire des fraudes. Mais en tout du coup on connaît 8 personnages de Natlan. Si on compte Capitano ça fait 9, plus le Boog, le frérot là qui est à côté de lui là en mode mystérieux, qu'on voit que très vite fait. Il est là, il est où le frère, il est là, ça fait 10 du coup avec lui, ça fait 10 personnages de Natlan. Bon là on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Là on voit juste qu'il a les cheveux bleus avec une écharpe, je pense, un truc comme ça. Mais il a l'air d'avoir grave de flow. Par contre tu choques barre de baiser du flow qu'il a lui hein. C'est Capitano, vraiment. Normalement, c'est pas le style de chara-design qui m'intéresse. Mais là, frère, là, je peux que respecter, là. Mais par contre, je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est que je suis, encore une fois, hein. Cette région me met dans la merde. Non, mais juste visuellement, je vais juste péter un câble. À l'époque, on avait eu le trailer de Fontaine où ils annonçaient plein de personnages. J'avais dit qui c'est que j'allais poule et qui c'est que j'allais pas poule au vu de leur physique. Bon. Ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais dit, mais bref, ça j'en parlerai dans une vidéo bilan. Mais en tout cas, là, à l'œil, je vais vous dire, là, physiquement, qui c'est qui me plaît et qui c'est que je vais poule. Bon, déjà, elle, la sœur, c'est sûr que je vais la poule. Non, franchement, elle a trop de flow. Vraiment, elle, c'est sûr que je vais la poule. Ensuite, bon, la Loli, c'est pas trop mon délire. Je la trouve mimes, tu vois, mais c'est pas ma cam. Donc en vrai, je pense pas que je vais la poule. Et de toute façon, je crois que c'est censé être un 4 étoiles, il me semble. Que elle et l'autre Boog d'Endro, c'est censé être des 5 étoiles et elle un 4 étoiles. Rien officiel, attention, c'est des théories. Mais du coup, elle, je pense pas la poule. Le mec a trop de flow. Le mec a trop de flow. C'est le Sbendo de malade. Lui, je vais le poule. Regarde, ils sont. Non, il a trop de flow. J'ai cru que c'était le logo de Squeezie. J'ai cru que c'était Gentlemate. Non, mais elle, je suis un malade si je la poule pas aussi. Non, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Elle, je la poule aussi, c'est sûr. Non, elle a trop de flow. Je te poule. Lâche juste cette balle de M8 et on pourra parler. Elle aussi, elle a du flow. Mais j'attends de voir in-game en vrai. Non, elle a trop de style. Mais en fait, le truc, c'est le côté mi-animal. Moi, c'est pas trop mon délire quand les personnages sont un peu coupés. J'avais dit ça à l'époque avec Tainari, mais au final. C'est le frérot, mais elle a du flow aussi. Mais c'est pas entre les 3 premiers persos que j'ai dit que j'allais poule, c'est pas elle qui me hype le plus. Pour le coup. Non, si, en vrai, tu es méchante. Non, en vrai, j'ai menti de fou. Par contre, bon, ça, du coup, elle, on la connaît depuis le début, mais je suis pas hype. Je vous le dis, je suis pas hype, je pense pas à la poule. Elle, en fait, je suis partagé. Là, à première vue, je me dis, en vrai, elle est stylée, mais elle m'envoie pas elle me dégage pas un truc hyper fort, quoi. Le tournoi, par contre, elle reparle du tournoi, et ça me régale. Ah, c'est l'invitation du tournoi, ça, la balle. Frère, le temps que ça monte au cerveau, c'est une dinguerie, hein. Et frère, là, oh là là, mais roule-moi dessus, frère, je sais pas, dis. Non, c'est trop une dinguerie, je suis désolé.
Allez, je me garde, mais c'est trop une dinguerie, elle a trop de flou. Voilà, enlève tes lunettes et la star que tu penses être sœur. Elle a tout ce qu'il faut, elle a une tenue de malade. On sent Natlan, on sent la puissance, on sent le cuir. On voit dans ses yeux que tu la vois de travers. Ça, c'est un arc qui est réussi. Hein. Là, on la voit en entière. Cryo, j'avais même pas vu. Cryo, elle est cryo, incroyable, ok. Bon, ben ça, c'est une bonne chose à savoir. Du coup, cryo, on sait, ah, en vrai, on sait pas mal de trucs hein, quand même. Hein. Là, elle a l'invitation, elle aussi, elle a l'invitation. Du coup, en fait, tous les personnages sont invités. Elle aussi. J'avais même pas capté que du coup de la balle c'était l'invitation. Ok. Évidemment l'archon, je fais la poule. Capitano, j'espère que depuis le début je me trompe pas avec son blast, mais je crois que c'est Capitano. Capitano s'il sort, je le poule en fait. Finalement je le poule. Et l'autre bug là qu'on voit très brièvement, mais on en voit trop peu pour que je puisse me dire si je pense poule ou pas. Mais là, au niveau des caractères, au final, y a juste deux personnages où je suis entre parenthèses. Il y a la loli du début là. La loli qu'on connaît depuis le début du jeu. Elle, si je pense la poule, mais c'est pas dans la priorité. Et elle aussi. En vrai, tous les chara-design, je les trouve réussis, les chara-design. Mais là, je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est le chara-design qui m'envoie le plus de trucs, c'est clairement l'archon. Non. Du coup, elle devrait arriver en 5.0. De toute façon, on va avoir le drip marketing dans pas trop longtemps. Mais du coup, elle aussi, c'est sûr que je vais la poule. Le bou aussi. Mais ça va faire deux personnages à invoquer en une mise à jour. Ça va faire mal. Elle aussi, de ouf. Je pense que c'est ça que je vais poule. De ce qu'on connaît de Natlan. Hâte de voir l'année prochaine déjà si je vais respecter ce que j'ai dit. Parce que bon, à l'époque, j'avais des plans et ça a changé. Mais voilà, pour l'instant, en gros, c'est mes plans à moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos plans? Qui c'est que vous allez pull? C'est vrai qu'on n'a pas de blast pour le moment, donc n'hésitez pas à mettre directement avec les timecodes ou juste dire oui, la meuf avec les cheveux roses, je pense que je vais la pull. En résumé, on a vu quand même pas mal de trucs. On a vu que tous les personnages de Natlan sont conviés à un tournoi. Donc je pense que c'est un tournoi où ils se battent. Et j'espère que c'est ça parce que il nous faut notre arc shonen. Vous savez, dans tous les shonen, on a toujours un arc où tout le monde se fout sur la gueule. Il nous faut ça sur Genshin Impact. Et si on a ça, je vous dis que Natlan, ça va être une grosse dinguerie. Beaucoup de gens ont râlé en mode. Ouais, non, mais on ressent pas la guerre et tout. Là, je pense qu'on va la ressentir, la guerre. Honnêtement, je pense qu'on va la ressentir. Et je pense que ça va être très très lourd. Et il me tarde de voir que le voyageur et la voyageuse se mêlent à toute cette histoire là. Non, franchement, même la reine a l'air trop stylée. Mais ok. Mais en fait, on connaît des éléments de tous les persos là. À part elle. Elle, on connaît pas. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je suis aveugle ou pas. Mais là, on la voit en entier. Pourquoi elle a des bagues au pied? Bref, je suis très très content. Vraiment, je suis pour l'instant, les amis. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui chient sur Natlan. Mais moi, pour l'instant, ce truc de tournoi me hype de zinzin. J'aime bien. En fait, ça va grave contraster avec ce que les gens ont comme image avec la guerre. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer. Moi je suis ravi, je suis 100% chaud pour ce qui va arriver. Donc voilà, si vous êtes restés jusqu'à la fin les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le mot hype. Comme ça je verrai les vrais qui sont restés jusqu'ici. Et puis sur ce on se retrouve pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, bisous. Et bien je ride, non, non. Et bien désolé, je ne voulais pas te la mettre dans les fesses, je suis maladroit.